Salut. Ça va? Ça va. Alors vous êtes prêts pour la surprise? Oui. Allez, bah c'est parti, on ouvre. Oh là là, merci beaucoup. Merci. Énormément merci pour ce beau gilet jaune. Voilà, c'est Vanessa. Ben merci Vanessa, on vous connaît pas, mais merci beaucoup. Vanessa, elle galère un peu et elle essaie de s'en sortir. Elle a passé un CAP. Et là, elle est en train de monter sa boîte. Et elle vous a fait ce super gâteau. Ben merci beaucoup Vanessa. Merci. Parce qu'elle soutient le mouvement des Gilets jaunes. Merci pour son soutien. Merci pour ce beau gâteau. Merci beaucoup. Donc je vous le laisse, bon pique-nique. Merci. Et merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Et faites-lui un gros bisou. Cet argent, il servait à financer des dizaines de projets d'énergie fossile. Concrètement, ça veut dire quoi? Que notre argent, l'argent des Français, il va directement à financer des projets de gaz, de pétrole et de charbon. Les énergies les plus polluantes de la planète, qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. Du coup, on a un peu du mal à comprendre comment ces investissements sont en accord avec les accords de Paris. Dans la France, s'est engagé dans ces accords en 2015. Nous, c'est pour ça qu'on est venu faire cette action symbolique ici, ATTAC 33 et ANV COP 21 Gironde. Le rapport du GIEC, il est explicite. On ne peut pas dépasser un réchauffement climatique à plus de 1,5 degré sans stopper notre dépendance aux fossiles maintenant. Plus 1 euro de plus ne doit être investi dans les énergies fossiles, et ça, c'est maintenant, et surtout plus avec notre argent. Et ces financements, ils sont sales et toxiques, à la fois pour la planète, mais aussi pour les peuples. L'argent de tout le monde aussi est placé dans ces fonds de retraite qui sont gérés par la même institution. Ils servent aussi à financer les projets climaticides. Il y a plusieurs milliards de nos retraites qui partent dans le financement de Total, Glencore, Chevron et bien d'autres. Nos voix s'expriment là-dessus depuis des mois et des mois. Elles sont enfin arrivées jusqu'à l'Assemblée. La semaine dernière, il y a une loi qui a été votée, mais elle a été complètement vidée de sa substance par En Marche. Maintenant, la Caisse des dépôts, elle n'a aucune obligation, elle n'a pas à être transparente sur ses financements et elle n'est pas contrainte de financer les énergies vertes. Donc c'est la preuve qu'on se moque de nous et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc nous, à l'heure où ceux et celles qui subissent l'injustice se lèvent et se mobilisent tous les samedis depuis 4 mois, on ne peut plus tolérer ce fonctionnement. D'un côté, on taxe les citoyens sur leur consommation de carburant alors qu'ils ont à peine de quoi vivre et de l'autre, on aide et on finance à coups de milliards via des institutions financières publiques les plus grands pollueurs de notre époque. Nous avons deux revendications. Tout d'abord, l'arrêt immédiat du financement public des énergies fossiles et des fausses solutions technologiques et le fléchage obligatoire de l'épargne populaire vers une transition écologique qui soit sociale et juste. Et c'est pour ça qu'on vous invite tous à venir nous rejoindre cet après-midi à la Marche du siècle aux côtés des Gilets jaunes pour continuer à dénoncer l'injustice et à faire porter nos revendications. Merci. Merci. On est là, on est là, même si vous ne voulez pas, nous on est là.
n'est pas nous, on est là. Salut! Bonjour! Donc là, je viens d'apprendre que les street medics se sont fait fouiller à place du Parlement avant d'arriver à place de la Bourse. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Mais on nous a fouillé, on nous a pris pièces d'identité et tout ça, contrôle sur tout point en fait, et voilà, tout simplement. Est-ce qu'ils vous ont dit pour quelles raisons ils souhaitaient vous interpeller? Mais tout simplement parce qu'il y a des faux medics qui se font passer pour des medics et en fait, c'est des casseurs. D'accord, donc ils ont voulu vérifier que vous n'ayez pas d'armes par destination, des choses comme ça? Oui, des armes et des trucs chimiques comme de l'essence ou autre. D'accord. Est-ce qu'ils vous sont saisis un quelconque matériel du type sérum ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Ils nous ont tout laissé. Ok, donc ouais, tu peux confirmer quand même par contre que là aujourd'hui c'est à... ultra surveillé, qu'il y a de la police de partout dans tout Bordeaux, quoi. Oui, je le confirme. C'est vraiment surveillé de tous les côtés et je pense que ça va être dur, quoi. Ok, bon, ben, on croise les doigts. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous faites tous les samedis depuis longtemps maintenant et à ce que tu peux observer de l'évolution du mouvement sur, au fur et à mesure des week-ends, de la violence, des blessés, etc.? Mais moi, ce que je vois, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de bavures policières quand même, et beaucoup de violence. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de samedi à samedi, ça se remplit, et je pense que les gens ne veulent pas lâcher, quoi.
Tu dirais par rapport aux victimes que t'as pu, sur lesquelles tu as pu intervenir sur Bordeaux depuis le début, est-ce que tu dirais que la majorité des victimes sont des personnes qui avaient provoqué la police, cassé des vitrines, des choses comme ça, ou bien est-ce que la majorité c'était plutôt des gilets jaunes pacifistes? Non, il y a beaucoup de pacifistes, parce que moi, samedi dernier, j'ai fait une intervention. Un CRS a tapé un gilet jaune devant moi, il faisait rien de méchant. Et il lui a mis un gros chopat, il lui a tapé dans la tête, tout simplement, qui faisait rien du tout, en fait. Quel conseil tu pourrais donner aux gilets jaunes qui manifestent? Quel conseil de prévention, en fait, tu pourrais leur donner? Mais déjà de faire attention à eux et puis de s'équiper assez quoi, pour éviter tout ça quoi. Être équipé, c'est-à-dire? Mais avoir des lunettes, masques s'ils peuvent pour le gaz. Et puis éviter d'amener tout ce qui est dangereux en fait. Comme ça, ça évite ça évite des choses. Par exemple des projectiles, des trucs comme ça, il faut éviter. C'est mon avis à moi après. Ok, et pour ceux qui se seraient fait fouiller ou qui n'auraient pas ce matériel-là, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en prévention? Beaucoup de sérum pour les yeux, parce que voilà, ça sert beaucoup. Et puis c'est assez compliqué en fait. Il faut être dans le feu de l'action pour le voir et le, voilà. Ok, super, je te remercie. Et bon courage et merci encore pour tout ce que vous faites, les street medics. J'ai pu remarquer que vous bénéficiez d'un respect énorme de la part de tout le mouvement, hein, et pas que à Bordeaux, hein, partout dans toute la France. Donc merci beaucoup. Et de rien, c'est normal, on est là pour le peuple et on lâchera rien dans tous les cas, quoi. Bonjour à toi, un autre street medic. Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu aux gilets jaunes? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ou de témoigner de ton expérience? Moi déjà, de base, avant d'être street medic, je suis gilet jaune. Je me suis fait arrêter, ce qui fait que j'ai un peu changé de bord. Et moi, je suis avec vous et je veux vous revoir chaque samedi parce que je suis là. Et vous, si vous êtes là, du coup, je reste là. Voilà, merci. C'est super sympa, je te remercie. Donc un dernier message, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Sur Facebook, on a une page qui s'appelle Street Medic Croix-Rouge, vous pouvez nous y retrouver dessus, on accepte tout ce que vous voulez. Voilà, merci. Et il y a une question que je me pose qui m'intrigue, c'est quoi la différence entre les Street Medic Croix-Rouge et les Street Medic Croix-Bleu? Il n'y en a aucune, c'est juste deux équipes totalement différentes qui se sont créées petit à petit au fur et à mesure des manifestations, voilà. Ok, super, je te remercie, bonne manif et prends soin de toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Yes.
D'où venez-vous? We come from Barcelona, from Spain. Nous sommes de Barcelone, d'Espagne. Ok, and you? Et vous? Barcelona, from Catalonia. De Barcelone, en Catalogne. Ok. Why here now? Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Because we want to see how huge is this movement. How nous voyons voir. Nous sommes ici pour voir comment est ce mouvement ici. For claiming a goal. Comment ce mouvement s'approprie cet objectif. Nous sommes intéressés par un mouvement de personnes qui veulent changer les choses sur le plan climatique, parce que le climat nous affecte tous. Nous voulons voir ce qui se passait ici. Merci, et vous? Pareil. Because we receive a lot of information. Nous voulons voir ce qu'était réellement ce mouvement. En réalité, nous recevons beaucoup d'informations sur ces mouvements. Et en comparaison à notre mouvement en Catalogne, nous voulions voir ce qui se passait vraiment. Pardon, je ne parle pas très bien l'anglais. Autre chose? Essayez de le dire en français. You say French? Non, vous dites-le en français. Pardon. Oui. En français? Un petit peu? Non, but pour entendre. Non, mais je comprends. Je comprends un peu. Mais nous comprenons. Nous ne parlons pas beaucoup français, mais nous comprenons. Ok. En Espagne, les gens commencent à comprendre le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement, dans les villes d'où nous venons, nous n'avons pas vu ce même mouvement, mais d'autres semblables, similaires. Qui demande également que les choses changent. Je crois que nous le voyons depuis l'Espagne plus petit que ce que ce n'est. On le voit depuis l'Espagne comme quelque chose de très petit, comme un mouvement très insignifiant. Au début, ça nous semblait, dans les médias, un grand mouvement. Mais aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Ça, c'est un mouvement qui descend en importance. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à Bordeaux et en France. Merci.
21 et de l'attaque ont été arrêtés ce matin suite à une action. Donc tous ensemble, soutenons ces camarades, libérez nos camarades. Impossible de me loger là-bas avec mon salaire. J'habite au nord de Saint-André de Cubzac. Ça me coûte 80 euros de carburant par semaine. On ne soigne plus. On fait de l'abattage. Parole de Gilets jaunes. Thank you.
Allez, casse-les les gens, allez-y, casse-les.
Ça va? Bien, toi? Bien, ouais, bien. Ça va? Ouais, ouais, good.